sur lequel il était couché. Il était couché et s'en alla. Et s'en alla dans sa maison. Dans sa maison, glorifiant Dieu. Oui, allons-y. Alléluia. Luc chapitre 5, le verset 18. Allons-y. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était... Portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer. Dis à quelqu'un, cherchait à le faire entrer. Non, je n'étais pas entendu. Dis, cherchait à le faire entrer. Mm-hmm. Et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire. À cause de la foule. Ils montèrent sur le toit. Et ils le descendirent. Par une ouverture. Avec son lit. Au milieu de l'assemblée. Devant Jésus. Dis à quelqu'un devant Jésus. Souligne ça dans ta Bible. Dis devant Jésus. Mm-hmm. Voyant leur foi. Jésus dit. Homme. Or. Tes péchés te sont pardonnés. Mm-hmm. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Et à dire. Qui est celui-ci? Qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul. Jésus, connaissant leurs pensées. Prit la parole. Et leur dit. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire. Tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire. Lève-toi. Et marche. Or. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme. A sur la terre. Le pouvoir. De pardonner les péchés. Je te l'ordonne. Dit-il au paralytique. Lève-toi. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Et à l'instant. Il se leva. En leur présence. Prit le lit sur lequel. Il était couché. Et s'en alla. Dans sa maison. Glorifiant Dieu. Mm-hmm. Tous étaient dans l'étonnement. Et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte. Ils disaient. Nous avons vu aujourd'hui. Dis à quelqu'un, nous avons vu. Non, je ne t'entends pas. Dis, nous avons vu. Mm-hmm. Aujourd'hui. Des choses étranges. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Qui aime la parole de Dieu? Who love the word of the Lord? Non, balance les mains comme ça. Qui aime la parole wave de Dieu? Wave your hand like that. Wave your hand. Non, qui aime la parole de Dieu? Wave your hand. Wave your hand. Acclame très fort le Seigneur si tu aimes clap la parole for the de Lord, Dieu. If you love the word of the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce mois, the theme of this month, de ce dixième mois, of this tenth month, c'est pensant qu'il était mort. Thinking was dead. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi un amen bien. Say amen well. Pensant qu'il était, thinking was dead. Dis à ton voisin pensant qu'il était mort. Say to your neighbor, thinking was dead. Voici une histoire. This is a story. Que nous avons eu l'opportunité de lire. We got the opportunity to read. Que nous avons eu l'opportunité de méditer. We got the opportunity to meditate. Mais cette histoire est enrichissante. But it's full of. Cette histoire nous révèle beaucoup de choses. This story reveals many things. Alléluia. Amen. On nous parle. We talk about d'une personne. The person. Comportait. They carry. La Bible dit. The Bible says. Les gens le transportaient. People were carrying him. Et ils cherchaient. They were trying. Comment? How ils allaient entrer enter avec cette personne, with that person, sous la face de Jésus, before Jesus. Alléluia. Amen. Il était malade. He was sick. Il n'arrivait pas à marcher. He was not able to work. C'était un paralytique. He was a cripple. Et les gens qui le portaient, those who carried him, étaient sûrement ses parents. Surely they were la relative. Bible dit, the Bible says, que Jésus était en train d'enseigner, Jesus was teaching, dans une pièce, in a place, où il y avait la foule, where there was a crowd. Les gens étaient tellement
gens nombreux. The people have many. Il n'y avait pas de place. There were no place. On cherchait un moyen. They were trying. Pour le rapprocher de Jésus. Bring him near to Jesus. Ils cherchaient le moyen. They were trying. Ils tournaient partout. They turned all around. Ils ne pouvaient pas entrer par la porte. They were not able to go through the door. Ils ne pouvaient pas entrer par la fenêtre. They were not able to go through the window. La Bible dit. The Bible says. Ils sont passés sur le toit. They went to the roof. Et quand ils sont arrivés sur le toit, when they reached the roof, ils ont constaté que. They noticed. Il y avait l'espace qui était créé là. There was a space there. Et ils ont fait descendre le malade. They made the sick person. Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. Peut-être que tu es dans une situation. Maybe you are in a situation. Tu traverses des moments difficiles. You are in hard time. Tu n'arrives pas à joindre debout. You are not able to manage. Tu n'arrives pas à t'approcher du Seigneur. You are not able to come to the Lord. Parce que les portes sont fermées. Because doors are closed. Ils ne pouvaient pas entrer avec lui par la porte. You cannot go with the door. Ni par la fenêtre. Through the window also you cannot. Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. Toutes les portes peuvent être fermées pour toi. All doors can be closed. Mais le ciel n'est pas fermé. Je dis le ciel n'est pas fermé. Heaven door closed for you. Les hommes peuvent te fermer les portes. Make a closed door for you. Mais tu marches. And you are walking. Sous un ciel ouvert. And the heaven are open for you. Et tant que les cieux ne sont pas fermés. As long as heaven are open. Ton miracle sera possible. Your open miracle will be possible. Tu me donnes de bien. You say amen well. Et je vais aggraver les choses. And you are going further. They try all possible. Comment faire pour s'approcher de lui? How to go near Jesus? Comment faire pour se rapprocher de lui? How to go near Jesus? Ils ont cherché. They try. Ils sont passés sur le toit. They went to the roof. Écoute-moi bien. Listen to me. Tu as longtemps cherché. Long time you seek for. Tu as longtemps tourné. But you turn. Mais la Bible dit. Lorsqu'ils sont arrivés sur le toit. When they reached the roof. Ils ont fait descendre le malade. Mais ils s'est retrouvé en face de Jésus. Les hommes peuvent te faire Jesus. Tourner. They can make you to turn tu peux around. Promener tes regards partout. You can go everywhere. Mais l'objectif que tu veux atteindre. Your focus. C'est de te retrouver face à Jésus. You be before Jesus. C'est de te retrouver face à lui. You be before Jesus. Il n'avait pas de moyens. They are not having means. Il se retrouvait face à lui. Face Jesus. Maintenant j'ai l'habitude de dire ce genre. I used to say. Les gens. People. Peuvent comploter autour de toi. They plot against ils you. Ils peuvent t'empêcher. They can stop mais ils ne peuvent pas arrêter le processus de la guérison but de Dieu. Ils ne peuvent pas arrêter le processus du miracle de Dieu. They cannot stop the process of the miracle of God. Listen to me. Si vous voulez. If you want. Jetez-moi dans le désert. Put me in the wilderness. Abandonnez-moi dans le désert. Forsake me in the wilderness. Même s'il n'y a plus d'eau dans le désert. If you are no water. L'ange de Dieu va créer un puits pour moi dans le désert. Si vous voulez, ne me donnez pas à manger. Ne me donnez pas l'argent. Mais j'adore un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Si vous voulez, fermez-moi les portes de vos boulots. Ne me donnez pas du travail. Mais j'adore un Dieu lorsque tout sont fermés. Il fait pour toi un chemin. Il met là où personne n'y croit. Laisse-moi te dire une seule chose. Même si les gens ne croient pas en toi, Dieu lui croit en toi. God believe in you. Même si les gens ne pensent pas un jour, tu vas te relever de ta situation. Laisse-moi te dire une seule chose. Let me tell you. Laisse-moi te dire une seule chose. Let me tell you. Les circonstances de ta vie, mais si quand tu t'amèneront toujours à chercher la face de Dieu. Bring you to si the tu n'as pas de problème, if you don't have problem, tu ne peux pas chercher la face de Dieu. Si tu n'existe pas de problème dans ta vie, you no problem in tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. C'est le problème. Problem. Les difficultés qui t'amènent à chercher la face de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, ne t'attarde pas sur tes problèmes. Don't worry mais about cherche your une seule chose. C'est de te présenter devant sa face. La Bible nous dit ce chose. Celui qui tourne ses regards vers l'Éternel. Son visage est rayonnant de gloire. You shine of glory. Ton visage ne sera pas de honte. You not be ashamed. Même si les gens veulent t'humilier. Même si les gens veulent te rabaisser. Même si les gens veulent te rabaisser. Je vois un Dieu. I see a God. Que les gens t'humilient. I will bring you il down. Il prépare une table. You prepare a table. En face de tes adversaires. Before your enemies. Il prépare une élévation. You prepare a rising up. En face de ceux qui n'ont pas cru en toi. Before they don't believe you. Je vois l'Éternel. I see the Lord. Changer le cours des événements de ta vie. The event of your life. Donnez un amen et bien. You say amen well. Ces choses arriveront. All those things come to pass. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? La
Bible dit. Et Baba dit clair. Jésus voyant les foi. Jesus saw their faith. Moi je ne dirais pas Jésus voyant les foi. Mais I would say Jesus seeing their faith. Je dirais Jésus voyant leur courage. Jesus seeing their courage. Jésus voyant leur courage. Seeing their courage. Jésus voyant leur détermination. Seeing their determination. Le miracle pour celui qui est déterminé. The miracle is for the one who is determined. Le miracle pour celui qui a la foi. One who has faith. Même si tu ne vois rien à l'horizon. You don't see anything. Ne t'arrête pas. Don't stop. N'arrête pas de prier. Don't stop praying. N'arrête pas de jeûner. Don't stop fasting. Tant que ta situation n'a pas changé. As the situation has not changed. Continue persévère. Continue to persevere. Car au bout de l'effort. At the end, se trouve une récompense. There is a reward. Au bout de tes efforts. At the end, se trouve une récompense. There is a reward. Ils ont cherché. Merci. Ils ont lutté. They fight. Mais ils sont arrivés devant sa face. They are looking to the face. Le malade est descendu devant lui. When he comes la Bible dit. Voyons le foi. See their faith. Il dit mon fils. C'est ma son. Des péchés de sang. Merci la fraternité. Il dit des péchés te sont pardonnés. Your sins have been forgiven. Si Jésus te pardonne, if Jesus forgive you, il te condamnera. Who can condemn you? Les gens peuvent te condamner. People can condemn you. Mais lorsque les gens te condamnent, when men condemn you, Jésus vient te pardonner. Jesus come to forgive you. Il a ôté la condamnation sur toi. He has to take away the sin over you. Je ne sais pas qui t'a condamné. I don't know who condemned you. Je ne sais pas qui t'a opprimé. I don't know who oppressed you. Mais lorsque tu te trouves devant sa face, when you be in his presence, il enlève le poids du péché sur toi. He take away the sin. Il dit mon fils. C'est ma son. Il dit ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, you know, lorsqu'on arrive à joindre les deux bouts, when you are able to manage, lorsqu'on arrive à réussir, when we succeed, ou à vouloir s'en sortir, and you are able to come out, il y a toujours des gens auprès de nous, there are people around you, qui veulent nous empêcher, they want to stop you. La Bible déclare, the Bible declares, lorsque les scribes ont entendu ces choses, when the scribes read, ils ont posé des questions, they wonder, mais comment, how, cet homme là, that man, peut pardonner les péchés, can forgive sins. Même quand quelqu'un veut t'aider, even when people want to, il y a des gens qui passent dans le secret pour dire, celui-là ne faut pas l'aider. This person don't help. Celui-là ne faut pas lui donner du boulot. This one don't give him away. Son cœur est mauvais. He's evil. Elle est méchante. She's wicked. C'est ce que les gens disent de toi. This is what people say about you. Cela ne va pas empêcher le bras de Dieu. But it doesn't stop the hand of the Lord. Cela ne va pas empêcher Dieu de te pardonner. This is what the Lord. Cela n'empêchera pas Dieu de relever ton image. To raise your image. Les critiques des gens. The gossip. Les calomnies des gens. The insult. N'arrêteront pas le miracle de Dieu sur ta vie. Si Dieu dit que tu es béni, tu seras béni. Si Dieu dit que tu es élevé, tu seras élevé. Tu peux rabaisser ce que Dieu a élevé. Tu peux humilier ce que Dieu a béni. Dis à ton voisin, c'est trop tard. Car je suis condamné à réussir. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin la différence. Say your neighbor the difference. Dis à quelqu'un la différence. Say to somebody the difference. Non, touche quelqu'un, dit la différence. Say to somebody the difference. J'ai compris dans ce passage. I understood that scripture. En force non. J'ai compris dans ce passage. I understood that scripture. Écoutez. Listen. Dieu n'avait pas la même manière de guérir les gens. God was not having the same way to heal people. Et chacun avait ses problèmes. Everybody was having his problems. Chacun avait ses difficultés. Everybody was having difficulties. Dieu n'avait pas la même manière d'opérer le miracle. God was not having the same way to opérer le miracle. When he met Bartimaeus, il a dit à Bartimaeus, he said, Bartimaeus, que veux-tu que je fasse pour toi? What do you want me to do for you? Bartimaeus dit, je veux recouvrir la vue. He said, I have to see my sight. Il dit, ta foi t'a sauvé. Your faith has healed you. Lorsqu'il arrivait devant la tombe de Lazare, when he reached the grave of Lazarus, il a dit, Lazare sort. C'est Lazarus, come out. Mais pour ce paralytique, for this cripple, il a attendu à ce que il trouve le chemin pour arriver vers lui. Il y a des miracles de loin. Il y a des miracles de près. Il y a des miracles de loin. Il y a des miracles de près. Il y a des miracles de loin. Il y a des miracles de près. 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 Il y a des miracles de près.
You hear what I'm saying? Écoute-moi bien. Listen to me. Le miracle que Dieu fera dans ta vie, le miracle God will do in your life, il ne passera pas par des gens. It will not pass through men. Mais ça sera un miracle face à face. It will be a face-to-face miracle. Ça sera un miracle face à face. It will be a face-to-face miracle. Ça sera un face à face. It will be a face-to-face miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? Oh. Le problème dans la vie. The problem in life. Le problème que nous avons. The problem we have. Nous marchons. We run. Nous courons. We run. Nous faisons des efforts. We make all our efforts. Mais ce que nous voulons faire, what we have to do, c'est d'atteindre notre objectif. Did you look to our goal? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, that's what I have to tell Dieu you. N'est pas seulement dans le commencement, God is not in the mais il est aussi dans la fin. He's not at the end. Tu n'as pas été au commencement, he's not at the end. Il sera à la fin de ton miracle. He will be at the end of Dieu your miracle. Me donne un amen de bien. You say amen well. Je vois Dieu terminer. As he got ce him. Que tu n'as pas pu commencer. What au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? Écoute-moi bien. Listen to me. J'ai compris quelque chose. I understood one thing. À chaque épreuve. And every trial, son élévation. As he raises up. À chaque condamnation. Every condamnation. Son élévation. As he raises up. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans ta situation. I don't know how many years you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have been in your situation. But one year you have à quelqu'un ce soir, I want to tell you, tu finiras à te présenter devant lui. Et lorsque him. Tu arriveras devant lui, il him. Te dira mon fils, say, il te dira ma fille, my daughter, des péchés te sont pardonnés. Est-ce que je peux aggraver ce soir? Can est-ce I que go je further? Peux aggraver ce soir? Can I go further? Est-ce que je peux aggraver ce soir? Can I go further? Quelqu'un, tu montes, je veux monter. C'est go, climb out. Quelqu'un, tu montes, je veux monter. Climb out, climb. Quelqu'un, tu aggraves, je vais aggraver. J'ai compris quelque chose. I just see one thing. C'est que les hommes prennent pour te condamner. What make you le plus souvent, you. Most of the time, ils oublient que they forget les erreurs que tu as, the mistake you ils have, ont aussi la même erreur en eux. You have the same weakness also. Regardez ce qu'il a dit au scribe. Look at what he said to them. Il dit vous êtes aisé. You are. Cela veut dire quoi? What does it mean? Que celui qui n'a pas péché, the one who have not sinned, he should be the first to throw the stone. Que celui qui n'a jamais péché, qu'est-ce qu'il fait? The one who has never made a sin should be the first to throw the stone. Mais devant cette femme adultérienne, that adultery, il n'y avait personne qui pouvait jeter la pierre. Nobody can throw parce que tout le monde aussi avait commis un péché. Everybody have made a sin. Tout le monde aussi avait commis une erreur. Everybody also tout le monde aussi sin. Avait commis une erreur. Everybody has made a je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, lorsque tu veux t'attaquer à moi, when you want to attack, assure-toi que tu n'as jamais connu d'erreur. Assure-toi que tu n'as jamais connu d'erreur. Assure-toi que tu n'as jamais connu d'erreur. Écoute-moi très bien. Celui qui avait la capacité de pardonner les péchés, c'est celui qui était sans péché. Il est l'agneau de Dieu qui était immolé pour nous. Il est sans péché. Mais nous avons été créés et nous sommes nés dans le péché. Mais cela ne fait pas de nous des pécheurs, mais cela fait de nous des personnes répandues. Pourquoi? Parce que nous prenons la décision de changer. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Mais je me suis posé la question de savoir, mais qui on appelle le pécheur? C'est celui qui a péché, mais celui à qui les péchés ont été pardonnés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? Les gens étaient tellement en train de parler. People were talking much. Jésus regarde.
Il a look at. Il dit, mon fils, que tes péchés te soient pardonnés. La deuxième chose qu'il fait. The thing he did. Il dit aux scribes. He said to the Pharisees. Il dit aux pharisiens. He told the Pharisees. Au docteur de la loi. Au docteur de la loi. Est-ce que vous là? You also. Vous pouvez dire aux paralytiques. Can you say the crippled man? Lève-toi et marche. Stand up and walk and you'll be. Ce que les gens ne peuvent pas faire. What people cannot do. Bien aimé. Lord, quand ils te voient faire cela, ils sont traumatisés. Mais cela ne vient pas de toi. Mais cela vient de l'Éternel. But not from the Lord. Pourquoi Dieu fait ces choses? Dieu fait ces choses-là pour confondre tes adversaires. Je prophétise ce soir. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils croiront en toi. Ils verront la main de Dieu dans ta vie. Ils seront obligés de se prosterner devant to toi. You. Si me donnes la main de bière, j'annonce ces choses. J'annonce ces choses. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à prospérer. Au nom de Dis longtemps, mon Live long. Ravaché tes rêves. J'arrive à cause. Il dit, vous ne pouvez pas leur dire de se lever. You cannot tell him to stand up. Oh, les scribes connaissaient la loi. They knew the law of the scribes. Ils connaissaient la parole. They know the word. Oh, je vais vous dire quelque chose. Let me tell you. La parole. The word. Il y a ce qu'on appelle. The one, this one they call. Le Logos. The Logos. Le Logos qui est la parole écrite. The Logos, the writing word. Et le Rhema. And the Rhema. Qui est la parole révélée. The revealed word. Les scribes avaient le Logos. They had the Logos. Ils avaient la parole. They had the word. Mais ils n'avaient pas la puissance qui accompagnait But la parole. They don't have the power. Ils pouvaient parler. They can talk. Mais ils ne pouvaient pas opérer des miracles. Oh, Jésus lui-même est la parole, is the word, la parole révélée, the revealed word, la parole faite chair, the word not et la parole révélée. The revealed word. Je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, écoute-moi bien, listen to me, dans la législature, in the law, selon la législature, according to the law, dans la magistrature, according to the law, devant le magistrat, according to the judge, lorsque la condamnation, the condemnation, a été déjà arrêté. Has been made, le juge signe. The judge signs. Il te dit que tu es condamné. That you are condemned. Soit à perpétuité. That are forever. Écoutez-moi très bien. Listen to me. Par moment. Sometimes. La loi que les lois que les juges. The law the judge. Ont prescrit. The même. Pour te condamner. To condemn you. Il y a une autre loi qui arrive. There's another law which. Pour changer cette loi là. To change the law. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell you. Jésus. Jesus était un juge. He was a judge. Mais en même temps, at the same time, il était un législateur. By the law, cela veut dire quoi? What does it mean? Lorsqu'une loi te condamne, when the law condemns, c'est le législateur. Il a la capacité de changer les lois. Qui a la capacité de changer les lois? Qui a la capacité de changer les lois? Qui a la capacité de changer les lois? Écoute-moi bien. Listen to me. Les scribes en ce temps-là, the scribes, ils vivaient sous la loi. They lived under the law. La loi condamne. The law condemns. C'était normal. It's not. Ils disent, tu ne devais pas pardonner les péchés. You cannot forgive parce que c'était la loi. It's the law. Mais ils ont pris une seule chose. Ce homme de Galilée, that man of Galilee, n'était pas venu pour la loi. Il n'était pas venu pour condamner. He didn't come to condemn. Mais il est venu pour la grâce. He came for the grace. Ce à quoi that's why tu ne pouvais pas appartenir. You cannot belong to ce que tu ne pouvais pas acquérir. Well, you cannot receive. Lorsque la grâce arrive, when the grace came, la grâce surpasse la loi. The grace is above the law. La grâce passe la loi. The law. La loi qui te condamnait. The law which condemned ne pourra plus te condamner. Will not condemn you anymore. Qui me donne la main de pierre. Cette loi qui te condamnait. That law ne pourra plus te condamner. Qui dit un amen de bien? You say amen well. Non, je ne t'entends pas. Qui dit un amen de bien? You say amen well. Non, je ne t'entends pas. You say amen well. Je ne t'entends pas. Qui dit un amen you de bien? You say amen well. Je ne t'entends pas. Qui dit un amen de bien? Est-ce que je peux aggraver les choses? Can I go further? Dis un amen fort, j'aggrave. Dis papa monte et je monte. Say, can I go? Dis papa monte et je monte. Can I go further? Dis papa monte et je monte. Can I go further? Il a regardé le paralytique. Look at the crippled man. Il lui a dit lève-toi. He said stand up. Et marche. And walk. Prends ton lit. Take your mat. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le paralytique s'est levé. He stood.
Il n'a pas oublié son lit. He didn't forget his bed. Il y a des gens par moment quand ils sont bénis. Some people when they are blessed. Ils oublient ceux qui les ont portés. They forget those who carry them. Il dit lève-toi, prends ton lit. So take your bed. Le lit l'a servi. The bed helped. Le lit était un moyen de support. The bed was supporting. Il dit lève-toi et prends ton lit. Carry your bed. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. La bénédiction ne sera pas pour toi seul. The blessing never will come for you. Contaminer ton entourage. Contaminer your neighbor. Écoute-moi bien. Si tu es béni ce soir. If you are blessed. Il y a des choses que tu vas aller chercher. Il y a des choses que tu vas aller chercher. Il dit lève-toi, prends ton lit. Take your bed. Marche. Et quand tu lui dis lève-toi, prends ton lit et marche. When he said take your bed and walk. Qu'est-ce qu'il lui dit? What he said? Va où? Go where? À la maison. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il dit va où? So go where? Oh. Mais les gens de la maison, house, quand ils le voyaient sortir, ils n'avaient pas les pieds pour marcher. Mais quand ils vont le voir revenir, ils vont voir un miraculeux en face d'eux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, you, tu es sorti de ta maison malheureux, mais tu retourneras heureux. Tu es sorti de ta maison avec des difficultés, tu retourneras avec la joie. Tu me donnes la main de Dieu. Oh. Je prophétise ces choses. Au nom de Jésus. Vis longtemps. Live long. La dernière chose. The last thing. La Bible dit. The Bible declare. Lorsqu'ils l'ont vu marcher. Then when they saw him. Lorsqu'ils l'ont vu prendre son lit. They saw him taking his bed. Voici ce qui va se passer. This is what happened. La Bible est tous, ils étaient dans l'étonnement. They were amazed. Ils ont dit. They said. Une étrange chose nous est arrivée. A strange thing has happened. Il y a des choses qui vont arriver de façon étrange. Ça va dépasser l'entendement des humains. Ceux qui ne croyaient pas que tu allais te marier, ils te feront marier. Ceux qui ne croyaient pas que tu allais enfanter, ils te feront enfanter. Ceux qui ne croyaient pas que tu allais progresser, ils verront ces choses arriver. Christ est Dieu debout. Écris victoire. Des choses étranges arriveront. Au nom de, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Quand les choses étranges t'arrivent, when strange things happen to you, tu commences à devenir étrange. You become a strange man. Cela veut dire quoi? What does it mean? On ne pourra plus te reconnaître. They cannot acknowledge le sourire que tu avais avant, ce n'est pas smile, le même sourire. Not the same smile. La démarche que tu avais avant, ce n'était pas la même démarche. The way you walk, not the same la même maison que tu habitais ne sera plus the la même house, maison. Not the same house. Tu vas changer d'habitation. You change your place. Parce que les choses étranges t'arriveront. So strange things happen. Les choses étranges t'arriveront. Strange things happen to you. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Anybody hearing me? Sois béni, vis longtemps. Be blessed. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Des choses étranges t'arriveront. Peut-être que tu es commerçante. Mais quand les choses étranges t'arrivent, le commerce que tu entreprenais avant n'est pas le même commerce. Je veux dire à quelqu'un, même si c'est impossible pour des noirs d'avoir des magasins sur les Champs-Élysées, avec toi, Dieu fera la différence. Avec toi, Dieu fera la différence. Même si c'est impossible pour des noirs de travailler avec des blancs, d'être au-dessus des blancs, cela va t'arriver. Parce qu'une chose étrange t'arrivera. Tu me donnes un amen de bien. Je prophétise ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je vis des choses étranges. Assis et straight thing happen. Dis à quelqu'un, je vis des choses étranges. C'est assis et straight thing happen. Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell to somebody. Est-ce que vous savez que, you know, quand vous vivez dans le surnaturel, when you are the supernatural, vous ne devenez plus des hommes. You are not men anymore. Mais vous devenez des esprits dans un corps. You have become a spirit in a body. On ne peut pas dompter un esprit. Yeah, you cannot on ne peut pas maîtriser un esprit. You cannot master. C'est pourquoi les gens ne pourront plus te maîtriser. Les sorciers de ta famille ne pourront plus they te maîtriser. Not master you anymore. Ceux qui pensaient te maîtriser, master ils n'auront plus le monopole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tiens-toi debout avec moi, je suis un homme étrange. I'm a strange man. Parce que des choses étranges m'arrivent. Because strange things happen to me. Est-ce que tu crois que les choses étranges t'arrivent? Strange things happen to you. Pensant que tu étais mort.
that you were dead, pensant que tu ne vivais plus, that you would not live anymore. Ils ont oublié que la stratégie de Dieu, maintenant, ils vont faire la stratégie de Dieu, de faire dormir Adam. Le miracle Adam devait avoir, c'était dans son sommeil. Imagine, lorsque tu dors, je pense que tu es mort. Mais il y a un miracle. Miracle. Tu dois se réveiller en toi. Lorsque Adam s'est réveillé, Adam wake up, à côté de lui, yeah, he, il a constaté qu'il y a des choses qui n'existaient pas. So il regarde à côté de lui, yeah, il voit Ève. So Ève n'existait pas. Écoute-moi bien. La mort à laquelle on t'a appelé n'est pas une mort, c'est une transition vers la gloire de Dieu. Tu es en train de transiter vers la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un maintenant ce soir, maintenant c'est ce monsieur, la Bible déclare, il a reçu le pouvoir sur la terre, dans les cieux, de pardonner nos péchés. Christ dit ce soir que tu es pardonné. Ce qui te condamnait ne te condamnera plus. Tu as reçu le pouvoir. You have received the power to be forgiven. Acclame très fort le Seigneur. Clap for the Lord.